Lachaud, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Salon du Livre d'Hermillon. Merci. Vous êtes venu avec, je crois que c'est votre dernier livre, non? Oui. Prends l'hébreu. Oui. Voilà. Et vous êtes, sinon vous êtes auteur, mais sinon vous êtes auteur, metteur en scène et vous avez été acteur. De théâtre. D'accord, donc vous... vivez dans ce milieu artistique depuis longtemps? Ça fait une petite vingtaine d'années, oui. Donc vous participez à toutes les épreuves du théâtre, enfin vous écrivez, vous faites jouer. Oui, j'ai joué pendant longtemps et puis j'ai arrêté de jouer il y a une dizaine d'années. En fait, plus je me suis investi dans l'écriture romanesque et moins j'ai joué. Maintenant, je joue quasiment plus. Il m'arrive de faire des performances avec une amie qui est écrivaine qui s'appelle Olivia Rosenthal. Et sinon, je mets en scène par contre. Ça m'arrive tous les 3-4 ans de faire une mise en scène. Donc votre livre, J'apprends l'hébreu, écoutez, moi je peux en dire ce que j'en ai ressenti. J'étais très déstabilisée par ce livre. Hein. D'abord, Frédéric, qui est le héros, hein, le protagoniste du livre, qui est un adolescent dont on a l'impression qu'il est seulement angoissé au départ, mais vous dites, il dit lui-même qu'il était malade de l'écoute. Oui. Voilà. Et qui est situé aussi dans un pays dont on ne connaît pas trop de choses quand on habite en Europe. Hein. Tout à fait. Et ça fait deux univers qui nous sont complètement étrangers. Mm-hmm. Donc, quel a été votre but, votre dessin? D'où vous est venue l'idée? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'idée qui sous-tend en fait votre livre? Alors, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'en 2005, ma meilleure amie s'est installée à Tel Aviv, en Israël, et que j'ai commencé à aller la voir très régulièrement. Et assez rapidement, j'ai eu envie d'écrire sur ce pays parce que j'ai constaté d'emblée que Tel Aviv, ça correspondait en rien à l'image que je m'étais faite d'Israël par la presse. Dans la presse, quand on lit sur Israël, on ne lit pas sur Israël, on lit sur le conflit israélo-palestinien ou alors sur les conflits religieux. Et du coup, arriver à Tel Aviv, qui est une ville absolument laïque, ça fait un choc parce que ça ne correspond pas du tout l'image qu'on en a. Et du coup, j'ai commencé vraiment à m'intéresser au pays, qui est donc un pays neuf, hein, qui a 60 ans. Et je me suis dit que ça serait intéressant d'écrire une fiction qui se déroulerait dans ce pays et qui en donnerait une image peut-être un peu plus complexe que ce qui nous parvient habituellement. Et voilà. Et donc j'ai organisé la possibilité pour moi de m'y installer pendant 6 mois. Et j'ai pu partir fin juin 2009. J'y ai passé 6 mois et j'ai écrit « J'apprends les mots ». Alors, deuxième chose, là vous nous expliquez pourquoi Tel Aviv et pourquoi. Hein, et pourquoi donc Frédéric? Le mot n'est pas prononcé, enfin n'est pas écrit dans le livre, mais il est en train de plonger dans la schizophrénie. Mm-hmm. Alors le mot n'est pas écrit puisqu'il n'a pas été, même le livre se termine, il n'a pas encore été diagnostiqué. Mm-hmm. Du coup, il n'y avait qu'une raison que le mot y soit. J'ai trouvé que c'était une possibilité, c'est une sorte d'intuition que j'ai eue, qui s'est confirmée puisque ça a marché. La possibilité de parler d'Israël en passant par la schizophrénie. C'est-à-dire que moi, ce qui me marquait en Israël, qui est quand même un pays qui n'est que grand comme la Bretagne, c'est que, par exemple, de Tel Aviv à Jérusalem ou de Tel Aviv à Saint-Jean-d'Acre, on avait l'impression, non pas de changer de pays, mais de changer de continent. C'est vraiment très, très différent. Et donc, j'avais le sentiment comme ça d'univers très clivé, très différent. Des morceaux et, complètement. Et c'est le propre de la psychose, c'est-à-dire que la différence entre un psychotique et un névrosé, c'est que quand on est névrosé, comme nous le sommes tous ici, on dispose, quand on est éveillé, de l'ensemble de notre conscience. Quand on est psychotique, ça n'est pas le cas. Il y a des clivages, il y a des murs qui séparent la conscience en plusieurs morceaux. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, je trouve, dans ce pays, à mon avis, comme dans tout pays neuf. C'est-à-dire que si on était allé aux États-Unis en 1790, et que le pays était tout neuf, on serait aperçu qu'il suffisait de se déplacer d'une communauté d'origine norvégienne à une communauté d'origine française pour s'apercevoir que ce n'était pas le même pays du tout. C'est quelque chose qui prend du temps de construire un pays. Et donc, voilà, je me suis intéressé de près à ça, aux différentes communautés, puisque encore aujourd'hui, à peu près la moitié de la population n'est pas née là. Mm-hmm.
Israël est peuplé de 50% de gens qui sont nés ailleurs, qui sont arrivés enfants ou adultes, que ce soit l'Europe de l'Est, la Russie pour beaucoup dans les années 90, l'Amérique du Sud, l'Irak, l'Iran, il y a des Kurdes, enfin, il y a vraiment des gens qui sont originaires de plein d'endroits du monde. Et tout ça compose peu à peu un pays, parce que tout le monde en arrivant se met à apprendre l'hébreu, comme mon personnage. Oui, moi, ce qui m'avait surpris, ce qui m'avait déstabilisé, c'est qu'effectivement, on comprend petit à petit que Frédéric est schizophrène. Il a des angoisses de morcellement, justement. Ouais. Il a des délires. Il essaye de trouver des contenants pour le rassembler. Et il va à la rencontre d'un pays et de gens, justement, qui eux-mêmes sont des morceaux. Mmh. Donc, il essaye d'aller à la rencontre de gens pour essayer de se comprendre lui-même. La question des limites le travaille beaucoup. Mmh. Et il va à la rencontre de gens qui sont eux-mêmes morcelés. Donc, ça fait des morceaux qui vont avec des morceaux. Donc, moi, j'avais du mal à m'y retrouver, en fait. Hein, c'est ce que vous avez voulu rechercher. Bah oui, on est perdu, on est complètement angoissé. Hein. Le livre est vraiment écrit au plus près du personnage. Oui. Et le personnage qui lui arrive, c'est terrible. Hein. Oui. C'est terrible. Les débuts de cette pathologie, c'est horrible parce que. On voit l'évolution. On les perd. Voilà, comme Alzheimer pour les vieux. Oui. Les plus vieux, ils avaient les clés, ils les perdent. Donc à l'adolescence, devenir schizophrène, c'est une catastrophe. Et c'est très très angoissant parce que, comme ça prend beaucoup de temps pour arriver vraiment, et que pendant tout ce temps-là, la personne à qui ça arrive essaye de faire énormément d'efforts pour compenser, et que donc l'entourage. S'aperçoit pas forcément de ce qu'il est en train de se passer. Pas tout de suite, parce qu'il se construit sans arrêt. Chaque fois qu'il voit un trouble, il se construit une défense. Il essaie de... Voilà, c'est ça. Hein. Donc, il y a une grande solitude et une grande angoisse. Et c'est absolument terrible. Et alors, d'où est-ce que vous connaissez ce monde, justement, de la folie, hein ? Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2006, on m'a commandé une pièce de théâtre sur la schizophrénie. Et comme moi, je n'y connaissais rien, j'ai commencé à m'y intéresser de près. En séjournant dans des hôpitaux psychiatriques, dans différents services, pendant plusieurs mois. Et je m'y suis intéressé vraiment de près pour pouvoir écrire cette pièce. Et puis ça m'a passionné, parce que c'est une pathologie qui est vraiment très liée à la communication, au langage. Et quand on est écrivain, le langage, ben, c'est notre instrument de travail. Ouais. Et donc une pathologie où quelque chose s'altère dans le langage, c'est très intéressant pour un écrivain. Et du coup, j'ai écrit cette pièce et j'ai eu envie de continuer ce travail en explorant aussi, dans un roman qui est pour moi plus le lieu de l'intime que le théâtre, en explorant aussi cette pathologie. Voilà. Donc voilà, c'est un peu pour ça. Parce que c'est assez surprenant parce que effectivement, comme vous dites, vous l'avez écrit au plus près du personnage. Alors, malgré soi, hein, parce qu'on se défend, on s'identifie un peu parce que c'est tellement écrit très près. Et puis de temps en temps, on souffle parce que il y a deux fois où vous avez un regard extérieur, et puis on se dit ouf, voilà, c'est pas moi, c'est l'autre. Hein, ça permet de reprendre pied un peu, oui, ouais. C'est ça. Tout hein, à fait. Ça fait cet effet-là. Hein. Oui. Voilà. Mais écoutez, Denis, c'est vraiment très intéressant à lire. Je recommande merci à toutes les personnes qui sont venues au salon et qui vont nous voir. Hein, et j'espère qu'elles aimeront comme j'ai beaucoup aimé. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Denis. Merci à bientôt, à peut-être à une autre fois au Salon du Livre d'Hermillon. D'accord. Merci. Au revoir.